gros SAM, c'est une structure qui gagne organisation et qui gagne des partis politiques. Donc, c'est-à-dire c'est des politiques responsables qui comprennent que les gouvernements fait monter, les besoins ont tant de probation. Et c'est ça nous t'es fait. Nous t'es bail un temps de probation avec conseil présidentiel et gouvernement et Gary Conyer. Mais je veux dire un message nous en clair. Les nous garder la question éducation en pile petit monde pas qu'à prendre fiche parce que il y a pas de moyens pour y te prendre fiche là dans l'école là. Et gouvernement pas fait rien pour ça. Ça qui vient bail au paquet petit monde pas le composer. Même si nous, le ministère de l'Éducation nationale, a battu bravo, a battu l'estomac, li, mais il y a un pile de monde qui parle composé parce qu'il n'y a pas de corps pour prendre fichu. Dans la question de sécurité, nous avons Gantier qui était en zone paisible, Gressier qui était en zone plus ou moins paisible, Monsieur Dame Azamio prend zone ça. En bagé, conseil présidentiel là, en bagé, Premier ministre Gary Conyer. Dans la question de la crise humanitaire, rien n'est pas fait pour déplacer. C'est-à-dire ensemble de déplacés qui sont dans plusieurs camps. Par exemple, on prend le camp lycée Marie-Jeanne, plusieurs camps qui l'a lu. On prend un paquet de camps. Nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Rien n'est pas fait pour améliorer les conditions de vie. Nous-mêmes, nous avons toujours dit que le peuple, c'est dans le camp pas nous. Nous venons dire que le peuple haïtien, la récréation est finie. Temps observation fini. Nous demandons pour le gouvernement avec toute CPTA pour prendre responsabilité. Parce que le peuple haïtien n'a pas qu'à souffrir encore. Et bien nous-mêmes, Grossam, signataires de l'accord du 21 décembre, nous venons clair pour nous dire CPTA avec tout Premier ministre Gary Conyer, récréation finie, il faut que météo au travail. Nous demandons Grossam d'annoncer le peuple en général. Jusqu'à 20 septembre, dans une marche pour la paix, nous commençons à parler avec plusieurs secteurs dans le pays pour que nous joignions une solution avec la crise d'insécurité. C'est une crise haïtienne qui est liée. Je dis, c'est haïtien qui met tête ensemble. Nous ne pas faire marche pour la paix ça pour nous défendre l'intérêt ni droite ni gauche. Je dis, c'est marche pour la paix ça doit être faite pour réconcilier tout petit pays ensemble. Pour nous parler à tout le monde, qui était dans le gouvernement, qui était dans la diaspora, qui était dans l'école, l'église, quel que soit côté petit pays, nous devons chita parler avec elle. Marche pour la paix, ça, nous devons organiser jusqu'à 20 septembre. C'est peut-être ça, nous invitons tout petit pays à rejoindre nous pour que nous organisions marche pour la paix, ça, pour que les gens soient capables de tourner la caillou, les gens belles soient capables de vivre bien, les gens qui sont capables de vivre en paix, les gens graissiers, Mégé, Léogan, Atibonite, les gens grand site capables de vivre bien. Nous même dans gros sam. Nous ne pas venir bailler les gains. Nous disons que 3 ans, le peuple a souffert dans le silence Ariel Henry. Nous ne pas venir faire 2 ans tout, après la parole dans le Premier ministre Gary Conyer, parole pour faire si bébé dormi. Je dis que la politique a dû changer de phase. Nous, c'est ces sanctions à prendre contre les gens qui mettent yo. Eh bien, je dis en tout, demain, c'est sanctions pour prendre contre eux-mêmes. Parce que nous, ça vous fait payer à trop mal. Et je dis, le Premier ministre Gary Conyer, ressaisis-le. Mais avec tout le conseil présidentiel, je dis, c'est un compromis politique qui peut mettre là pour venir servir le pays. Ce n'est pas dans l'élection y aller, ce n'est pas un cadeau peuple à faire, yo. C'est parce que le peuple a senti qu'elle te bouquet ensemble avec le problème qui t'a ravagé, le problème de sécurité, le problème de la vie chère et le problème qui vient augmenter plus. Sous Gary Conyer, nous perdons plusieurs autres zones et grand groupe vient pizzi. Je dis à Gary Conyer, à tout le ministère de l'Éducation nationale qui lance l'école le 1er octobre, là, comment lycée Marie-Jeanne pour le faire libérer Fitzpierre Louis. Toute l'école nationale qui n'a pas peuple l'apprend, je dis pour être capable de rejoindre un petit souffle de paix. Je demande au Premier ministre Gary Conyer combien de fois il visite quand combien de fois le ministère de l'Éducation a parlé avec les gens qui sont dans le directeur l'école pour joindre une solution pour capable déplacer les gens. Je dis à tout bureau de l'État, c'est un seul côté. Aller dans tout grand hôtel Pétionville, ou avoir une ministre, directeur général, madame, avec petit peu de ménage, c'est là qu'il y a mangé, c'est là qu'il y a boué. Pendant que petit peuple là même, a couru dans Solino, a couru dans Belé, a couru dans Cafoufeuille, pendant que ça y est même, il y a pour les gros machines, vite tenté, à n'importe 3, 4, 5 policiers derrière deux, et puis il y a boué divin, il y a mangé gâteau, dans hôtel, côté qui a payé 5 à 600 $ par jour. De rive qui vient dans le ministère, finance.
Nous demandons au Premier ministre Gary Conny pour le ressaisir rapide, pour le aller jouer au Premier ministre. Nous demandons pressé pour ILCC font coup de pied pour nous dans ONA. Pour son coup de pied pour nous dans SONAPI. Pour son coup de pied pour nous dans quelques directions générales. Parce que nous entendons bruit peuple là, cri peuple là, ça y est trop peuple là pas capable encore. Comme ça, on est gagoté, capable de tirer le pays.